qu'il ne combat pas les moissonneurs qui veulent détruire notre galaxie, il sauve les télescopes des astronomes en peine, et comme il détient actuellement en otage mon riche et chrétien, il a le droit à une introduction plus longue que les autres chroniqueurs, Mathieu Guinaud, notre commandant Shepard. Bonjour Mathieu. Salut. Il donne des sueurs froides et un immense complexe d'infériorité à tous les malheureux qui se lancent sur PixInsight. Il est le maître Yoda du process, le Mace Windu du script, Mathieu Tecky. Bonjour Mathieu. Salut à tous. L'astronomie lui doit autant que le quotient intellectuel de nos chères têtes blondes, et ce n'est pas peu dire, le professeur de Star Party, Mathieu Martin, et pour des raisons pratiques, nous l'appellerons donc Prof Martin. Bonjour Prof. Salut David. Ses parents ont eu le bon goût de ne pas le prénommer Mathieu avec un ou deux T, ça n'a plus d'importance. Après des années de tentatives de corruption infructueuses, il vient enfin d'être primé par la Société astronomique de France, Jean-Baptiste Auroux. Bonjour Jean-Baptiste et félicitations pour ce prix. Ben, bonjour à tous et merci beaucoup. Tu peux nous en dire deux mots très rapidement sur le prix que tu as reçu ? Eh bien, c'est... Alors, contrairement à ce que la présentation laisse suggérer, ce n'est pas après plusieurs années de manœuvres dans l'ombre. On m'a remis la Société astronomique de France m'a remis le prix Julien Saget, qui récompense alors la dénomination officielle, ce qui récompense des travaux, un astronome qui s'illustrait par ses travaux en astrophotographie. Alors, je pense que c'est plus pour, ou autant pour le site Photon Millennium que pour mes propres photos, on ne va pas se mentir. Mais cela dit, c'était un grand plaisir, un grand honneur, surtout que je ne m'y attendais pas du tout parce qu'on ne candidate pas pour ces prix, en fait. C'est le conseil d'administration de la SAF qui les remet. Et j'avais candidaté à rien et j'étais évidemment pas au courant. On m'a informé une fois que la décision était prise. Donc voilà, c'était très, très, ça fait toujours très plaisir, évidemment. Non, mais ça reste une très belle récompense. Et avec une Ça met un peu de pression pour continuer à faire du contenu sur le site, chose que je n'ai pas faite depuis un petit moment là. Donc je commence à avoir des complexes. Il va falloir s'y remettre. Bah, écoute, félicitations, Jean-Baptiste. On va profiter aussi de l'occasion pour avoir une petite pensée pour deux chroniqueurs qui étaient là à la première émission et qui sont absents pour des raisons bien différentes. Le premier chroniqueur à qui on va adresser un coucou et souhaiter bon courage, c'est Aziz, qui se fait remettre les jambes à neuf. Donc, ça ne l'empêche pas de nous sortir des images absolument insupportables comme une M16 qui est passée récemment après un test de filtre à bande étroite sur une caméra couleur. Donc, on va dire coucou à Aziz et puis Thierry Lobo, qui lui vient de nous sortir une photo de l'ISS en transit devant le soleil, où maintenant il en est à s'amuser à compter les panneaux solaires pour voir ce que Thomas Pesquet a rajouté. Donc, lui, Thierry, est en pleine forme et justement, il a une activité sportive aujourd'hui qui le retient. Mais on le retrouvera à la rentrée. On va donc attaquer cette deuxième émission de Star Party, donc sur un format plus court, puisque là où on était à 2 heures, on va être à peu près à 40-45 minutes, mais on va retrouver l'ensemble de nos rubriques et on va commencer tout de suite par la mise en station. Topaz Denoise, AI pour Artificial Intelligence, est un logiciel disponible sur Mac et Windows, coûtant environ $80 et utilisé pour la réduction du bruit, mais aussi, en un seul mot, pour accroître la résolution des images. Il s'utilise de manière autonome ou en plugin pour Photoshop ou Lightroom classique. De plus en plus d'astrophotographes semblent être tentés par utiliser Topaz. Messieurs, que pensez-vous de cet outil dont certains disent qu'il rend les images un peu artificielles ? Un peu artificiel ou beaucoup artificiel ? Ça, je vous laisse en débattre pour commencer. C'est-à-dire que si on le règle, on règle la force de 0 à 100, si on le met à 0, effectivement, c'est pas trop artificiel. Encore que, ça dépend des modes, mais même des fois, en le laissant au minimum. Moi, j'ai trouvé qu'à 1, il y avait déjà un effet assez important. C'est que sur certains modes, il y a différents types de programme, on va dire, un peu de formule préétablie selon que l'image est très bruitée, très, très sombre. Il y a différents pré-réglages ou différents modes qui sont proposés. Et sur certains, même quand tu le mets le réglage à 1, c'est déjà trop. Donc, désolé, on plonge dans la technique directement, mais je pense que ça va illustrer peut-être Alors, très rapidement... le problème plus global qu'on
Un petit tour de table très vite, je vais vous demander de répondre pour ou contre. On va commencer par prof. Pour ou contre te passe plutôt, toi? Ni pour ni contre Ni en pour fait. ni contre? Enfin, moi je pars du principe qu'on n'est pas des maçons non plus, on n'y va pas à la truelle. L'idée c'est quand même de faire quelque chose d'assez fin et de joli. En plus c'est 80 €, faut vraiment avoir envie de les dépenser. Ça a un intérêt si on a envie de faire un truc un peu bâclé pour faire du cache-misère, mais voilà, c'est 80 € pour faire du cache-misère, on peut le faire avec n'importe quel logiciel, quoi. Voilà, merci beaucoup Mathieu pour la réponse par pour ou contre. C'est très, très gentil. On va continuer en un seul mot, puis après on va revenir au débat si tu veux bien. Mais tu es pardonné, c'est ta première. Mathieu, toi, pour ou contre? Sur le principe, ou ni pour ni contre. Je vais mettre au Alors, chaud. non, je vais me positionner, je vais quand même dire pour. Après, c'est sûr qu'il faut argumenter, je suis entièrement d'accord. Déjà, quand tu parles de topaz, il y en Non, a beaucoup. non, 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 tu ne vas pas me faire comme Mathieu, ça vient au débat après. Je débattrai après. Alors, Voilà. Donc, pour. Jean-Baptiste. Bah pour aussi. D'accord. Et Mathieu? Et commandant Bah moi, Chouinard, pardon, parce qu'après, on ne sait plus. je suis pour du moment qu'on ne tombe pas dans l'excès, quoi. D'accord. Bon, ben, à partir de maintenant, je vous en prie, puisque vous êtes tous à peu près d'accord pour dire que ça peut être intéressant. Alors, mettons quand même dans le contexte un truc, hein, c'est qu'en France, il y a une erreur de traduction assez basique sur Artificial intelligence, ça ne veut pas dire en soi intelligence artificielle, ça veut dire gestion artificielle des données. Ce n'est pas tout à fait pareil, c'est comme la CIA, Central Intelligence Agency, ça n'a rien à voir avec la conscience, la réflexion, les émotions et tout ce qu'on veut. Hein. On est bien dans la gestion automatisée de données. Donc le machin apprend avec des algorithmes et va appliquer plus ou moins bêtement, plus ou moins intelligemment pour le coup. Donc on va repartir avec prof, cette fois tu peux reprendre tes arguments, je t'en prie. Et puis on va faire Alors, un tour dans la foule. donc moi je disais que on n'était pas maçon et que disons que tout ce qu'on peut faire avec Topaz, on peut le faire sur PixInsight avant. Donc du coup, je vois pas trop l'intérêt de dépenser encore de l'argent pour ça, si ce n'est d'avoir un truc rapide et plus ou moins efficace pour faire quelque chose de pas trop trop moche quand on a une beaucoup de bruit, quoi. Mais voilà, bah, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. Mathieu? Alors moi, pour Topaz, déjà, il y en a plusieurs versions qui existent. Et c'est vrai que les deux qu'on utilise souvent, c'est Topaz Denoise ou Topaz Sharpening, qui permettent justement d'ajouter du détail à l'image. Sauf que les détails ne sont pas forcément justes, ou en tout cas erronés. Il y a des artefacts qu'il peut produire si on a la main un peu lourde. Et comme disait très bien JB, la main un peu lourde, on peut l'avoir même à 1, le curseur à 1. Ce qui fait que quand on le prend, moi je l'utilise sous sa version logicielle. Je ne l'ai pas intégré à Photoshop et à des calques, ce qui je pense est beaucoup plus judicieux. Parce que de toute manière, moi, une fois que je l'ai fait en logiciel, je fais des pixel maths via PixInsight pour pouvoir justement atténuer les détails éventuels qu'on peut avoir dessus. Je l'ai utilisé là dernièrement pour une image que je n'ai pas encore sortie, mais c'est vraiment, vraiment avec parcimonie. Et le gros inconvénient de ce logiciel pour moi, c'est au niveau des étoiles, il les détruit complètement. Alors au niveau des étoiles, je le trouve juste catastrophique. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est le genre de logiciel qu'il faut faire quoi qu'il arrive pour moi en starless et rajouter les étoiles derrière. Sinon, au niveau des étoiles, il va être complètement. Enfin, il est complètement nul sur les étoiles. Après, je reste pour. Parce que ça permet effectivement, d'un point de vue bruit et certains détails, alors peut-être davantage dans les structures sombres, de venir apporter un petit plus. Voilà. Mais alors, il faut vraiment être doux. Il faut vraiment être tout doux. Mais c'est quelque chose que tu utiliserais à chaque fois ou vraiment une fois de Alors, temps en temps pour... non, là, je l'ai essayé pour la dernière image pour voir, parce que justement, il y avait des structures sombres qui s'y prêtaient. Après, ça dépend. Je ne sais pas si je l'utiliserai sur d'autres. En fait, sur les Galaxies, j'avais déjà essayé. Donc, c'était sur M51, avec un rendu un peu plus lumineux. Et alors, au niveau des artefacts sur justement, dès qu'on monte un petit peu au niveau de la dynamique, j'ai pas eu du tout de bons résultats. Donc, j'ai abandonné. Donc, non, pas tout le temps. Non, non, non. En D'accord. général, je fais masque sur les structures sombres.
je le fais via le logiciel et derrière, je mets du 50 ou du 25%. Donc, c'est vraiment rien. Donc, 25% curseur à 1 de Topaz. Voilà mon utilisation de Topaz aujourd'hui, ce qui est vraiment très, très modéré pour éviter que ce soit trop, trop artificiel. D'accord. Commandant Shepard, on finira par Jean-Baptiste après. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. J'ai une fois testé donc, via Photoshop en installant le plugin. Alors, j'ai vu un peu le fonctionnement, quoi, que ce soit en mode denoise, Topaz denoise ou Topaz sharpen. Ce que j'ai vu aussi, effectivement, c'est que déjà à 1, on a déjà un effet qui est important. Alors, il faut passer par des masques hein, pour protéger les étoiles. Alors, j'avais essayé plutôt sur les zones lumineuses des images, là où il y a des détails sur des zones lumineuses de nébuleuses, par exemple, ou des cœurs de galaxies. Mais je n'ai pas été plus loin et je ne l'ai jamais utilisé dans la production d'une image. C'était vraiment que des tests pour l'instant. Donc voilà, je n'ai pas poussé le truc. Donc mon avis est très limité. Quoi. D'accord. Jean-Baptiste ? Alors moi, j'ai dit pour, hein, parce que sur le principe, c'est qu'un logiciel qui peut apporter parfois. C'est un logiciel qui est neutre en lui-même. C'est-à-dire que. Tout dépend de la manière de l'utiliser. Et c'est un logiciel qui peut apporter quand même un certain gain, moi, je trouve, au niveau des détails, au niveau de la réduction du bruit. Enfin, après, c'est le but du logiciel. Hein. Donc, heureusement que ça permet quand même d'obtenir quelque chose d'intéressant. Alors après, comme dit Mathieu... tu peux pas te tromper, vas-y. c'est effectivement... Il faut l'appliquer de manière tempéré, et puis ça ne fait rien que PixInsight ou Photoshop ne puisse faire, ça le fait peut-être plus simplement, et il devient intéressant, moi je trouve justement, Topaz, que ce soit pour le denoise ou pour le sharpening, quand on pousse un petit peu le curseur, c'est-à-dire que si on le met à 1, en général, bon, on va obtenir quelque chose qu'on aurait avec PixInsight ou avec Photoshop, ouais. Moi je l'utilise plutôt sous Photoshop en plugin, donc avec l'utilisation de calques, de masques directement. Mais au pire, si je me suis trompé, même pour visualiser, je préfère le faire sans masque et faire le masque dans un deuxième temps. Enfin, ça dépend de l'image après. Et je trouve que justement, des fois, on obtient un résultat intéressant en le poussant un petit peu. Le problème, c'est que quand on le pousse un petit peu, comme a dit Mathieu, okay, c'est complètement destructeur. Quoi. Donc, notamment pour les étoiles. Donc, il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie. Donc, moi, je suis pour sur le principe parce que tout ce qui permet d'apporter, même de corriger des petits micro-détails ou des petites choses sur une image, pour moi, c'est... Ça reste intéressant. Est-ce que ça vaut 80 euros ou plus, même si on prend la suite ? C'est un autre débat. Bon, c'est pas sûr. Donc, sur le principe, je suis pour, mais avec un énorme mais qui est l'utilisation qu'on en fait. On va pas se mentir, si la plupart des gens aujourd'hui se posent la question de savoir s'ils sont pour ou contre Topaz, la raison même pour laquelle on pose cette question, c'est qu'il y a des astronomes amateurs qui se sont mis à Topaz pour faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils l'utilisent comme des gouniafiers et qui tirent les curseurs à mort. Donc Alors après, ça peut donner ça peut aussi, pareil, tout dépend de la finesse et du temps qu'on y passe. On peut obtenir des résultats quand même intéressants sur certains aspects au final. Mais la plupart du temps, c'est des images très, très débruitées, très artificielles, avec un niveau de détail qui est extrêmement fin dans certaines zones où justement le process a été appliqué. Et en comparaison, juste quelques pixels à côté, c'est le flou un peu général. Donc, ça donne des images ultra artificielles quand c'est mal employé. Et la plupart du temps, c'est mal employé. Je pense sur les exemples qu'on voit aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui l'utilisent vraiment avec parcimonie. Ou alors, pour les gens qui l'utilisent comme ça, ça ne se voit pas. Et on ne se dit pas, c'est une image Topaz. Est-ce que ça a un intérêt pour quelqu'un qui utiliserait déjà PixInsight ? Bah oui, moi je trouve. Enfin, moi personnellement, moi j'utilise déjà PixInsight, j'utilise Photoshop. Et maintenant, dans mon workflow, j'essaye d'intégrer Topaz. Alors, quand l'image s'y prête, parce qu'il y a des images qui ne s'y prêtent pas du tout. Typiquement, l'image qui est en fond là derrière moi, aucun intérêt d'utiliser Topaz là-dessus, il n'y a pas de détails. Alors, peut-être éventuellement pour le bruit, mais ça, c'est des images qui se gèrent déjà bien au niveau du bruit sur Photoshop ou sur PixInsight. Ouais, je pense que ça soulève une question d'éthique, c'est-à-dire d'amener des détails qui n'existent pas dans une image pour la rendre spectaculaire. Là, clairement, pour moi, ce n'est pas possible. Donc, il faut respecter la nature des objets qu'on photographie, des sujets, je pense. Hein. Et donc, voilà, si on peut renforcer et accentuer les détails existants, c'est super. Mm-hmm.
Si c'est créer des détails qui n'existent pas pour rendre l'image spectaculaire et m'as-tu vu, là, non, là, je ne suis pas d'accord. Alors, il faut que j'explore un peu plus le logiciel pour voir dans quelle mesure on peut se situer dans le renforcement et non pas la création de faux détails. D'accord, mais sur la gestion du bruit, quand je vous écoute, je me dis que globalement, PixInsight, entre la CDNR, le MLT et le TGV Denoise, il dispose déjà de tout un tas d'outils pour la réduction. Oui. Oui, disons que peut-être que Topaz semblera plus accessible à ce niveau-là pour quelqu'un qui sait mal utiliser PixInsight, qui ne sait pas bien l'utiliser. Il y a des problèmes pour les fonctions de réduction de bruit. Parce que quelqu'un qui sait bien utiliser les fonctions de réduction de bruit, il obtiendra globalement le même résultat en un peu plus de temps. C'est aussi pour ça, moi, que j'essaie de l'intégrer maintenant. C'est qu'une fois quand on sait bien utiliser PixInsight et que Topaz, on a compris qu'il ne faut pas l'utiliser, il faut l'utiliser de manière vraiment ciblée avec un certain objectif à chaque fois, à savoir la réduction du bruit, augmenter un petit peu la finesse des détails, etc. C'est quand même très rapide. Ça peut, sur certaines images, ça peut donner des bons résultats. Et sur d'autres images, vraiment, ça ne s'y prête pas et ça augmente rien du tout en termes de bruit ou de détails. Donc, je l'intègre, on va dire, plus par test maintenant, en fait, pour voir si sur une image donnée, ça peut apporter quelque chose ou pas. Mais la plupart des images, en fait, au final, je ne l'utilise pas. C'est-à-dire que je fais un essai, je me dis, bon, non, ça ne m'apporte rien. Ou le résultat est trop... ça va être trop compliqué de bien l'intégrer et ça n'apporte pas grand-chose au final. Donc, je pense que ça peut être une bonne alternative pour certaines méthodes de réduction de bruit qui sont un peu longues. Mais les méthodes de réduction de bruit sur PixInsight sont quand même assez rapides à mettre en œuvre généralement. C'est plus un problème de masque ou autre. Donc, en tout cas, on trouve des tutos sur Internet, je pense. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et de toute façon, à mon sens, c'est un mauvais calcul de dire que ça va remplacer... pour moi, c'est vraiment un outil qui peut s'utiliser en complément, intégré dans un workflow, mais pas de manière isolée. Je pense que c'est la personne qui aura la catastrophe. Quoi. C'est vrai que je rejoins JV où Topaz, il a sa signature qu'on reconnaît, en fait. Et à partir du moment où quelqu'un l'utilise correctement, on voit qu'en fait, au final, on ne devine même pas qu'il a utilisé Topaz. D'où peut-être, est-ce qu'il a vraiment un intérêt à l'intégrer ? Alors, si ce n'est pour le côté effectivement beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que quelqu'un, je pense, qu'il l'utilise correctement, on ne verra pas forcément la signature Topaz qu'on peut voir sur certaines images avec justement des artefacts artificiels. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est que soit on a ces artefacts et on dit « oulala, lui, c'est Topaz », soit on n'en a pas et à ce moment-là, on se demande, ça peut être intéressant, mais du coup, est-ce que c'est utile, sachant que les autres feront aussi bien le taf ? Alors, du coup, est-ce que ça mérite d'y mettre 80 balles ? Clairement. Alors, est-ce qu'il faut les avoir à faire ? C'est pour ça qu'il y a les versions d'essai. Il faut essayer pour voir si certains, on va dire, vont trouver le côté beaucoup plus simple, effectivement, que sur les logiciels d'Astro, parce qu'il y a peut-être APP, je ne sais pas, je ne connais pas bien encore, mais qui a aussi une fonction de réduction de bruit qui peut être, pourquoi pas, intéressante. Donc maintenant, voilà, est-ce que ça vaut le coup de mettre 80 euros là-dedans, à chacun de faire son idée avec la version d'essai quand on voit, enfin, tout dépend si on veut faire des images de spectacle aussi. Il y a pas mal d'images de spectacle qui passent, qui font beaucoup de bruit, que les gens aiment. Et ça, du coup... Il ne faut pas, en fait. Il ne faut pas. Ouais, après, c'est mon avis perso, mais des images, se dire, je mets 80 euros dedans parce que je veux des images. Je veux faire... Moi, ça m'est arrivé, je reçois des courriers de gens dans le cadre de mon site. Je reçois des mails de gens qui me disent, mais en fait, je veux me mettre à l'astrophotographie, ou alors je fais déjà de l'astrophotographie, mais vraiment, en termes de traitement, je suis nul, j'arrive à rien. Regardez les images que fait Bidule. Un tel, ouais. Je vais pas donner de nom parce que on est pas sur. Moi, j'en ai un, moi. Ouais, on en a tous quelques-uns en tête, je pense, et qui me dit, mais je suis nul en traitement. Regarde ce qu'il fait lui avec 10 fois de temps de pause de moins que moi. Moi, j'arrive à rien. Il faut vraiment que j'utilise Topaz. Je voudrais faire comme lui. Il dit, mais stop, arrête. L'image qui sort, elle n'est pas réelle. Une image où il y a du signal qui est inventé, il y a des détails qui sont inventés. Enfin, c'est pas une belle image d'astrophotographie. Il faut pas partir de ça pour s'inspirer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débutants ou de gens plus avancés qui disent, en fait, je suis nul au traitement parce que par rapport à quelqu'un qui utilise Topaz et qui va ruiner son image, inventer du signal, inventer des détails, évidemment, avec beaucoup moins de temps de pause, il va obtenir un résultat spectaculaire en miniature, infâme le plus souvent en full.
Mais ça donne des complexes à beaucoup d'astrophotographes qui se disent bah, « je suis obligé d'y mettre parce que sinon je serai à la traîne sur mes images ». Mais je pense que c'est évidemment n'importe quoi parce que rien ne vaut une belle image naturelle à mon sens. Je suis partiellement d'accord parce que l'image de spectacle dont je te parle, quand on va faire par exemple du SHO, le SHO étant… bon, oui, il y a quelque part un petit peu de scientifique par rapport au gaz présent dans la nébuleuse qu'on veut faire, mais… la plupart de la vocation du SHO, parfois, alors ce n'est pas une image spectaculaire qu'on veut, mais ça reste de la fausse couleur. Et à partir du moment où c'est de la fausse couleur, eh ben, pourquoi pas rajouter, enfin, je ne sais pas pourquoi pas, parce que je ne suis pas d'accord là-dessus non plus, mais un détail amplifié, et non pas modifié, mais un détail amplifié, les mecs, ça ne les gênera pas plus. C'est dans ça où je dis l'image de spectacle, Topaz, là-dessus, effectivement, ben, en un clic, ils vont avoir parfois un truc. Alors, je ne vais pas te dire joli, mais assez spécial, on va dire, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et c'est cette signature après où, si elle est vraiment par excès, effectivement, on va voir des images qui sont décalées de la réalité complètement. Et le problème, c'est comment s'étalonner quand on ne sait plus à quoi on a affaire et qu'on débute en astrophoto, quoi. Oui, je pense que c'est un vrai je pense que c'est un problème vraiment… Mais c'est un problème éthique. Le problème éthique que vous soulevez, on en a parlé avec Pascal Bourreau, qui fait beaucoup de Nightscape et qu'on a eu l'occasion d'interviewer, qui anime le groupe Nightscape de la Société d'Astronomie Lorraine. Ils en sont à pratiquement définir une charte, hein, parce qu'il y en a qui font des compositing qui sont effectivement très, très impressionnants, qui ne correspondent absolument pas à la réalité. Vous avez la Lune qui prend 80% du ciel au-dessus d'un paysage ou la Voie lactée dans des positions invraisemblables. Ça ne les dérange pas, mais par contre, ils veulent ils demandent à ce que ce soit précisé parce que, justement, des tas de gens voudraient s'y mettre et se disent « mais jamais j'arriverai à un résultat pareil ». Et on a envie de leur dire « mais non, vous n'y arriverez pas parce que ça n'existe pas oui. » et que ça rentre dans une espèce de course au like sur les réseaux sociaux qui fausse un peu le jeu quand même. Donc, on va juste se positionner pour finir le débat là-dessus. Je vais vous demander, c'est essayer de vous y tenir, de me dire un par un si vous mettriez 80 euros dans Topaz et on laissera après ceux qui regardent. Déjà, ils auront vu pendant votre débat quelques exemples de ce que fait Topaz. Il y aura des liens dans la description, la possibilité de répondre à la version d'essai. On laissera chacun se faire son idée. Mais vous, messieurs, est-ce que vous l'achèteriez ou est-ce que vous l'avez déjà acheté ou pas? On va commencer dans l'ordre de mon écran par prof. Non. Mathieu? Non. Jean-Baptiste? Alors oui, moi je l'ai déjà acheté, mais j'ai profité des Black Friday. Donc je vous conseille d'attendre les super soldes annuels si vraiment vous voulez l'acheter. Comme ça, vous le paierez beaucoup moins cher que le prix de base. Et commandant Shepard? Non, je ne l'achèterai pas. Non. D'accord. On a quand même une grande majorité de non. Pour un produit sur lequel personne n'est complètement contre, c'est intéressant. Merci messieurs. Ce sera tout pour ce débat. On laissera tout le monde se faire son idée et on va passer directement à l'alignement polaire. Alors, l'alignement polaire, la rubrique dans laquelle on va parler un peu de matériel. Aujourd'hui, on va parler d'un étrange appareil nommé rotateur de champ. Et c'est prof Martin qui, pour sa première, va se coller à la présentation de cet engin. Des nombreux paramètres à prendre en compte, comme la charge nominale supportée, la prévention de l'enroulement des câbles, la dérotation, etc. etc. Prof, qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors, qu'est-ce que c'est? Surtout, à quoi ça sert? Ça sert à… faire tourner la caméra pour avoir exactement le cadrage qu'on veut en fait sur son image. Hein. Une image, on peut préférer qu'elle soit dans ce sens-là. Et donc, ça va permettre juste d'avoir exactement le cadrage qu'on veut. Il y a des rotateurs manuels, en général, qu'on a sur les portes oculaires. Mais ça a le désavantage de ne pas être très précis. Et donc, là, l'intérêt, c'est que ça va… Disons que le logiciel va permettre d'avoir exactement la bonne position. Alors, à quoi ça ressemble? C'est du cœur de Mélode 15 apparaît. On va le voir. Voilà. Donc, c'est juste cette petite partie-là. Tac, si on voit. Voilà. C'est le disque. C'est la partie bleue. Voilà. C'est la partie bleue qui va permettre de faire tourner la caméra qui est ici, en fait. Voilà. Et donc, il n'y a que ça qui tourne.
Voilà. Alors, celui-ci, c'est le modèle de chez Pegasus. Qui est là, c'est le Falcon, qui a l'intérêt de ne pas être hors de prix, parce que c'est... Enfin, pas hors de prix, tout est relatif. Mais jusqu'ici, on tapait très vite dans les 2-3 000 euros. Celui-là, il est à 600 euros, je crois, si je ne me trompe pas. Donc déjà, ça permet d'être déjà un petit peu plus abordable. Pour moi, le gros intérêt, c'est que ça permet de tout automatiser. Si on le met dans un observatoire, par exemple, on n'a pas besoin de se déplacer pour aller faire son cadrage. Et tu pilotes directement à partir de SGP. Voilà, c'est ça. En fait, SGP va faire un plate solve, donc une résolution astrométrique pour savoir où est-ce qu'il est exactement. Et quand on a fait à partir d'une photo, on va lui dire, bah, tiens, tu vas aller te mettre exactement comme ça. Et donc, il va tourner pour se mettre tout seul. L'autre intérêt, c'est que quand on fait un retournement méridien, parfois il y a une petite rotation de champ, donc là ça va les corriger aussi un petit peu. Voilà. Ouais, au niveau du poids, c'est 700 grammes, c'est pas trop lourd. Ça reste conséquent. Sur une petite monture, ça fait. Comment ? C'est pas rien quand même, 700 grammes. Oui, c'est pas rien. Disons qu'il faut le prendre en considération si on a une monture légère, quoi. C'est en USB 2 avec un filetage M54. Ce qui permet de ne pas avoir trop de vignettage. On peut aller sur du plein format, je pense, sans trop de problèmes avec ça. Et ça supporte 6 kg de charge. Donc là, on peut mettre quand même un gros truc derrière, quand même, normalement. Et le dernier truc, bah, ça fonctionne sous Ascom ou sous Indy. Donc c'est quand même compatible avec la totalité des logiciels. Les garçons, est-ce que vous utilisez ce genre d'appareil? Pas du tout. Est-ce que vous avez ça en projet, comme on chez Parle? Non, j'ai jamais utilisé. Alors, j'en ai pas vraiment l'intérêt. Pour moi, l'intérêt principal, c'est en remote. Hein, quand on a un observatoire qui n'est pas chez soi, qui est à distance, qu'on pilote par Internet, donc en remote, là, clairement, on peut pas se déplacer pour aller faire ses cadrages. Donc, l'intérêt est évident. Dans le cadre où on est soit en nomade, soit en poste fixe chez soi, moi, j'en ai pas encore perçu l'intérêt, effectivement. Oui, moi, c'est quelque chose où... que éventuellement je pourrais rajouter sur mon setup pour automatiser un petit peu plus, mais ça serait vraiment du luxe, quoi, parce que effectivement je suis un nomade, donc je suis toujours à côté de mon télescope. Mais c'est vrai que quand on essaye d'automatiser la séquence d'acquisition, notamment avec des SGP, NINA, ce genre de choses, et où parfois au cours de la nuit on a un changement de cible avec un cadrage différent, ça peut être intéressant justement pour automatiser cette partie-là et pas être obligé de se relever juste pour modifier le cadrage ou permettre de changer d'objet au cours de la nuit en termes d'acquisition. C'est un luxe, mais qui se vaut en hiver. Ouais. Quand on est tranquille dans son salon pour faire ses réglages, c'est quand même bien pratique de ne pas avoir à sortir quand il fait moins 10 dehors, quoi. Oui, moi, j'envisage que le cas où c'est en plein été. Ouais, surtout quand il faut rebouger d'un tout petit peu à chaque fois pour le remettre droit, c'est au moins. Si tu as suivi les aventures de Jean-Baptiste qui avait inauguré notre série d'interviews sur les astrophotographes, tu sais que son truc, c'est de ne pas faire d'astrophoto en Corse. La retraiteur de champ n'a pas beaucoup d'intérêt, à part trimballer 600 grammes de plus dans les bagages. Mathieu, toi, moi, je n'ai jamais utilisé de rotateur non plus. C'est pas forcément quelque chose que j'envisage. Alors oui, je reconnais le côté vraiment très pratique, surtout lors de changement de cible. Pareil, Mathieu Guinaud, par rapport à l'intérêt en remote, oui, évidemment, mais tant que je suis à côté, non, j'en éprouve pas le besoin. D'autant que derrière, on peut recadrer en fonction de la cible qu'on a. Effectivement, ça fait cropper parfois de manière assez importante. Mais par rapport aux cibles qu'on va faire et qu'on choisit en fonction de notre focale et de notre échantillonnage, derrière, on peut, si on veut, je dis bien, alors oui, on ne profitera pas de toute la taille de notre capteur, mais on arrive derrière à faire une rotation, si on veut, de notre cible pour pouvoir la mettre un petit peu plus en valeur sur nos photos. Voilà, donc ça fait un gros crop, effectivement. Mais c'est dans le pire des cas, si on veut la mettre en valeur davantage, on peut le faire via logiciel. Mais bon, je reconnais l'intérêt. Maintenant,
Pour moi, aujourd'hui, je n'en vois pas l'utilité personnellement parce qu'effectivement, je suis aussi à côté du setup. Voilà. Voilà. Non, non, mais on pourra se dire que pour ceux qui attendent de pouvoir faire les fondations de leur observatoire et d'acheter leur coupole, c'est déjà un bon moyen d'attendre, n'est-ce pas, prof? Il y a le seul petit truc, c'est qu'il peut tourner qu'à 220 degrés. Donc, c'est-à-dire que s'il peut pas aller dans un sens, il va aller dans l'autre. Ouais, fais Mais bon, c'est attention au pas grave, câble. hein. Voilà, c'est ça. Le câble, ouais, c'est Enfin, ça. même il a un blocage physique, quoi. Ah oui. Donc, mais après, c'est pas grave, la photo est à l'envers, elle se retourne à l'empilement, quoi. Mais si ça rajoute pas de complexité de driver et Non, de. non, Ça c'est pourrait juste, ouais, m'intéresser. ça fait un câble de plus et Ouais, c'est faut ça. le C'est gérer, quoi. Voilà. la grande Bon. spécialité, les câbles. Ouais. Donc on dira que cet appareil peut être parfaitement justifié dans le cadre du Ouais. remote et Bah, c'est ça, je suis d'accord aussi, hein, si de on a perfo un du petit nomade, ça n'a 7P. pas aucun intérêt. Si ça bouge dans la nuit et que donc le rotateur fait un recadrage, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une automatisation de la prise des flats avant la rotation par rapport au début de soirée, de séance d'imagerie, et puis automatiser une autre prise de flat après la deuxième partie de soirée où il a effectué une rotation. Sinon, tes flats, du coup, ne marcheront pas pour les deux sessions. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vaut mieux faut en faire au début et à la fin. En général, ça bouge qu'au changement de méridien, en fait, hein. Après, non, il n'y a pas de raison que ça bouge. Merci, prof, en tout cas, parce que ça pourra peut-être intéresser du monde de voir cet appareil dont on parle finalement assez peu dans les setups quand il s'agit de les constituer. Et ça peut toujours être une piste intéressante pour ceux qui veulent se monter un observatoire ou faire du remote. On va passer maintenant à la rubrique PlateSolve. Donc, Jean-Baptiste va nous parler d'une cible intéressante pendant l'été, donc en ce moment, qui va être, je crois, NGC 7000. Non, c'était en Non, merci. 2000. Non, pas du 180. tout. C'est Quel con. Oui, voilà. Bon, on va faire ça. Je pense que je vais la garder parce qu'elle est trop belle. Bon, Jean-Baptiste, tu vas nous parler de la nébuleuse du croissant, s'il te plaît. ça. Donc, Ouais, tout à je fait. vais réviser mes catalogues. Non, mais t'étais pas loin parce que c'est dans le signe, c'est l'autre Ouais. star de la l'une des autres objets stars du mois de juillet, du mois de l'été en général. Et puis du mois de juillet, ça s'y prête bien parce que ça commence à rester longtemps très haut dans le ciel, voire au zénith. Donc la nébuleuse du croissant, NGC 6888, qui est nébuleuse. Alors c'est pas une nébuleuse planétaire, c'est une étoile de Wolf Rayet avec donc une coquille. Enfin, l'objet en lui-même est très bien connu des astronomes amateurs, parce que c'est un objet quand même classique, on va dire, de l'été. Alors il présente l'intérêt quand même de pouvoir être photographié de beaucoup de manières différentes, en LRGB, en SHO, alors plutôt en HOO, parce que le S rapporte, je pense, pas grand-chose. En noir et blanc, il rend très bien aussi. Les amateurs de noir et blanc, c'est un bel objet sur lequel on distingue bien, notamment l'intérêt de le faire en HO pour ceux qui peuvent, c'est qu'on distingue bien l'enveloppe bleue qui émet en O3, qui se détache de manière assez spectaculaire de la couche H-alpha de l'objet, et en lui-même contient beaucoup de détails. Donc c'est intéressant à faire, et c'est un objet qui est relativement brillant, enfin, il peut se faire bien aussi à l'APN, pour ceux qui ont un APN. Alors défiltré quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de signal en H-alpha, et c'est pareil qu'un APN non défiltré, on atteint un petit peu les limites, mais on peut quand même enregistrer du signal dessus et déjà faire une photographie, une première version pour ceux qui ont un APN non défiltré. Ensuite, avec un AF défiltré, ça apporte un peu plus. Une caméra CCD, on rajoute un filtre H-alpha, un filtre O3, et là, vraiment, on a quelque chose qui peut être assez spectaculaire. Très spectaculaire, même sur le... Et c'est un objet qu'on peut faire à tout niveau de focale. Avec un petit instrument et une petite focale, vous pourrez le saisir dans le grand complexe nuageux du cygne, qui s'étend vraiment sur quasiment toute la constellation. Donc il y a énormément de draperies aux alentours qui sont intéressantes à photographier, qui apportent beaucoup aussi qui donnent beaucoup de perspective à l'image avec cet objet-là. Et en grande focale, ben là, ça sera la chasse aux détails, tout petit filament, et que vous pouvez réussir à saisir sans même utiliser Topaz. Vous avez beaucoup de détails dedans. Et si vous utilisez Topaz, alors là, c'est carrément de la science-fiction. Mais voilà, c'est un bon objet pour tester
Topaz, voilà, pour ceux qui veulent, ceux qui seraient intéressés. Il y a aussi un tout petit objet à côté qui est sympa d'avoir en même temps dans le cadrage du croissant. C'est la petite nébuleuse, alors on dit de la bulle ou de la bulle de savon, qui est sympa et qui a aussi donc une dominante HA et O3. On la retrouve en fait sur les deux. C'est vraiment une toute petite bulle très très ténue, la bulle de savon plutôt, ils disent, et qu'on voit de manière relativement faible. Hein. Donc il faut vraiment avoir un nombre de poses assez conséquent pour pouvoir la voir et un temps de pose aussi unitaire. En fonction de la sensibilité de sa caméra et de son ouverture, évidemment, qui doit être assez conséquent. Mais c'est sympa de l'avoir dans le cadrage, elle est vraiment à côté. Donc, en général, sur des focales, Ah oui, elle est vraiment à côté. Voilà, c'est ça. Donc, sur des focales à 500, 600, on arrive à l'avoir dans le cadrage. Oui, on pourrait presque croire une erreur de flat. Eh bien non. Désolé de te décevoir, mais c'est une grosse... je viens de régler des problèmes de poussière après 6 mois de galère, donc n'y vois que l'expression d'une frustration personnelle. C'est une cible que vous avez tous déjà shooté, sur laquelle vous voulez revenir, vous avez fait à différentes focales, vous voulez faire différentes focales les uns et les autres. Ah oui. Pour moi, il y a un intérêt de la faire aussi à grande focale parce que l'enveloppe est magnifique autour. L'enveloppe et puis à l'intérieur, c'est quand même assez granuleux. Et c'est pour ça qu'avec Topaz, l'effet est catastrophique parce que déjà que c'est vachement granuleux, si on rajoute des artefacts, derrière, c'est verdun. Donc, voilà, c'est cette focale-là, cette cible-là à grande focale, elle est magnifique. Et à petite focale, on voit effectivement tout le drapé tout autour dans cette région du cygne qui est tellement riche que effectivement on peut la faire même au Samyang à 135 mm. On la voit aussi et on va réussir à avoir d'autres cibles à côté qui sont sympas. Merci d'avoir Jean-Baptiste et puis on va espérer recevoir plein de photos du croissant à la prochaine émission de rentrée. On va pouvoir attaquer le traitement et justement analyser les photos de nos spectateur. On va attaquer donc avec une soumission de la nébuleuse CG4. Moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est l'intégration de... C'est quoi, c'est un CDK17 hein, qui est fait pour la partie centrale, qui est mixé avec la partie grand champ. Et je trouve que le détail qu'on arrive à avoir dessus, sur une partie grand champ comme ça, c'est absolument magique. Les étoiles sont splendides. Moi, je n'ai pas beaucoup de critiques à donner là-dessus. Je la trouve vraiment magnifique, cette photo. Que ce soit au niveau des couleurs, tout est bien respecté. Moi, j'aime un petit peu moins parce que donc c'est une photo magnifique, hein, acquisition magnifique et c'est des cibles en plus qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous dans notre hémisphère. En plus, celle-là, elle est particulièrement impressionnante où on a l'impression que vraiment ce grand ver vient bouffer la petite galaxie. La seule chose qui me gêne en fait, bizarrement, c'est le pourtour justement rouge assez prononcé au niveau de cette nébuleuse. Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça fait un petit peu artificiel, en fait. Et j'aurais peut-être moins, peut-être moins saturé. C'est peut-être juste une question de saturation. Ce pourtour rouge qui me gêne un petit peu. Voilà. Mais c'est une superbe image. Voilà. Le fait est qu'on se croirait, tu parlais de verre, on se croirait dans Dune. On se croirait dans Dune, oui. Ah, exactement. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est une très belle image. On va dire que c'est à la hauteur en termes d'acquisition, c'est à la hauteur des moyens employés parce que c'est du super matériel. Alors, c'est Martin Pug qui... Ça vient de l'observatoire de Martin Pug, donc quand même un astrophotographe. Je compte plus le nombre d'apodes qu'il a, mais on sait qu'en termes d'acquisition, c'est il n'y a rien à dire, c'est du super matériel, le ciel est super, il y a le temps de pose qu'il faut dessus, une quarantaine d'heures là, pour celle-là avec deux matériels. Au niveau du traitement, je trouve très bon, notamment
réussir à combiner voilà, justement les détails sur la petite galaxie. Ce qui me va pas, à mon sens, c'est que je la trouve trop sombre. Peut-être trop, justement, il y a cet effet de. C'est peut-être cette recherche d'obtenir un contraste très important à la fois sur la galaxie et sur la nébuleuse. Mais je trouve que les zones justement sombres sont un peu trop sombres. Voilà. Sauf que ça donne un rendu du coup un petit peu agressif en termes de couleurs. Évidemment, quand on abaisse la luminosité, ça augmente la saturation des couleurs. Et là, c'est ce qui se passe sur la zone. Alors après, c'est un parti pris qui est totalement. C'est le rendu, encore une fois, est très très beau. Moi, je la trouve un petit peu sombre à mon goût. Voilà. Alors, l'image suivante, ça va boucler avec la composition d'objets de tout à l'heure. Une nébuleuse du croissant, une formidable NGC 6888. C'est une belle image. On est sur une image en HOO d'après la couleur des étoiles. Les acquisitions ont l'air relativement propres. Alors, ce qui m'interpelle au premier abord, c'est le fond de ciel. Je trouve que le fond de ciel a subi une réduction de bruit qui l'a détruit. Alors, on dirait qu'il y a eu une tentative de lissage du fond de ciel, mais qui finalement a créé pas mal d'artefacts. Après, pour le reste, les couleurs des étoiles sont sympas, les détails dans la nébuleuse aussi. Bon, les étoiles sont peut-être un peu saturées. Il aurait peut-être fallu mieux les protéger lors de la montée d'histogramme. Elles en ont pour le coup perdu un peu de leur couleur, surtout au centre de l'image, au niveau du croissant. Pour le reste, on voit bien les détails en H-alpha, l'enveloppe de 3. Bon, c'est une image, c'est une belle réalisation. Pour ma part, ouais, je rejoins ce qu'a dit Mathieu concernant le fond de ciel. En fait, on voit un petit peu aussi comme des trames verticales, ce qui fait que c'est à se demander s'il n'y a pas eu de dithering, donc pourquoi pas en faire sur ce genre d'acquisition, ça vaut le coup, sur toutes ces images. Au niveau des étoiles, effectivement, peut-être les protéger un petit peu plus lors de la montée de l'histo parce qu'elles sont un peu saturées. Et sinon, au niveau de l'enveloppe, j'aurais essayé aussi d'accentuer le côté bleuté de l'enveloppe au niveau du croissant. Voilà. On le voit au-dessus, en fait. On le voit sur la coquille du dessus, mais on ne voit pas cette enveloppe au niveau de la nébuleuse et sur la petite excroissance qui est plutôt blanche à la place de bleu au niveau de la zone du croissant. Voilà. Donc peut-être cette enveloppe un petit peu plus bleutée aurait apporté un peu plus de nuances. Sinon, c'est une belle acquisition. Et puis justement, là, avec une belle focale où on peut voir pas mal déjà de détails. Moi, l'impression que ça me donne, c'est que les curseurs ont été un peu tirés pour récupérer du détail, récupérer de la luminosité, etc. Et du coup, ça finit par détruire un peu trop l'image. Alors, peut-être qu'il aurait fallu être un petit peu moins violent, entre guillemets, pour là-dessus, et puis accepter d'avoir une image un peu moins flashy, et où l'objet ressort un peu moins, mais au moins, ça serait plus doux. Voilà. Ouais. Jean-Baptiste. Je pense que globalement, tout a été dit. Moi, je rejoins ce qui a été dit sur les. Effectivement, on voit que les curseurs étaient un peu tirés. Le plus visible, c'est sur les étoiles. Et après, dans les détails de la nébuleuse, on voit qu'il y a des parties qui sont cramées aussi, qui sont saturées. Et du coup, en mettant en avant le signal, on a perdu en détail. On parlait tout à l'heure de ce qu'il y a des spécificités pour cette nébuleuse. Effectivement, c'est pour d'autres nébuleuses, mais là, sur celle-là, particulièrement, il faut toujours veiller à. Partager entre monter le signal et surveiller que cette montée de signal ne se passe pas au détriment du détail, parce qu'avec un télescope de 750 mm, voilà, 150-750, on devrait avoir normalement, on peut obtenir en tout cas plus de détails. Mais là, le fait de tirer sur les curseurs, c'est un peu cramé certaines zones. Il y a certaines zones qui peuvent être facilement cramées sur le croissant, justement, parce que il y a quand même une grosse différence entre les parties les plus fines de la nébuleuse et les parties les plus ténues et les parties les plus brillantes. Donc c'est une belle image, on voit bien l'enveloppe 3, elle pourrait ressortir un peu plus, effectivement. Je suis d'accord avec Mathieu. D'accord. Merci. Sur cette émission, je peux dire que je suis d'accord avec Mathieu, ça marche à tous les coups. je ne fâche personne. Quoi. Très très bien. Quand il y a une unanimité, j'attends le jour où il y aura une véritable battle
puisqu'il y a un jingle qui a été créé pour ça, qui pour l'instant n'a pas encore été dégainé. Bien emmerdé à le faire, mais c'est pas grave. Bon, avec Topaz, t'étais bien parti. Hein. Ben non, puisque vous êtes tous d'accord au final. Donc, bon. On va attaquer avec la troisième image, une M51 Galaxy Tourbillon. Eh ben, c'est une belle image, un gros plan d'M51. Alors, bon, ce qui m'interpelle, ce que je trouve un peu dommage, c'est l'absence de couleur sur les étoiles. On a des étoiles qui sont blanches un peu partout sur l'image. Et puis l'absence des nébuleuses aussi, l'absence de rouge dans la galaxie. Parce que souvent sur les images M51, on voit quand même apparaître les nébuleuses à chaque fois. Alors, même sans faire d'acquisition en H-alpha, juste avec le filtre rouge ou une caméra couleur, il me semble qu'on va pouvoir récupérer un peu plus de rouge dans la galaxie. Et puis après, bon, il y a un traitement du bruit aussi qui est un peu destructeur hein, sur la galaxie. Alors, le fond de ciel a été lissé probablement, qu'il n'y avait peut-être pas assez de pose et qu'il a fallu donc appliquer une réduction de bruit assez importante, mais qui a été destructrice sur la galaxie elle-même. Sinon, ça reste une image très jolie de M51. C'est une image qui est paradoxale pour moi parce qu'elle a des qualités qui ne sautent pas aux yeux, elle a des défauts qui sautent aux yeux mais qui peuvent s'expliquer. Et autant je la trouve, elle a un fond de ciel relativement lissé, comme disait Mathieu, mais en même temps, on a quand même pas mal de signal sur l'extension et tout. Donc le lissage du fond de ciel, c'est pas fait au détriment du gommage du signal dans certaines parties. Ça, c'est une bonne chose. Moi, effectivement, les couleurs, il y a peut-être quelque chose à voir sur la calibration des couleurs. Moi, sur mon écran, elle tire un peu sur le vert. Alors, ça vient peut-être de mon écran, ça vient peut-être du passage sur Flickr aussi. Effectivement, il manque un petit peu les zones H-alpha, mais ça, à la limite, c'est pas trop gênant. On va dire que c'est du bonus. Moi, je suis plus surpris pour un RC8. Je m'attendais à plus de détails, peut-être, dans la partie centrale. Alors, un traitement, ça nécessiterait sans doute un traitement un peu plus localisé, peut-être avec du HDR ou autre, qui n'a peut-être pas été fait pour cette image-là. Et après, il y a des gens qui aiment le rendu plus naturel des nébuleuses, donc ils ne vont pas chercher à booster les couleurs ou à aller tirer sur les détails. Donc, c'est peut-être volontaire. Moi, je trouve qu'elle manque un petit peu de détails pour un RC8. Je m'attendais à plus de détails, en fait. Voilà. Oui, un peu la même impression. Hein. Déjà, ça tire... Enfin, moi, pareil, ça tire beaucoup sur le vert, ce qui fait que ça dénature un petit peu l'impression générale de la galaxie. C'est un peu comme celle d'avant, on a l'impression que les détails ont été allés chercher, et puis pour gommer derrière, on va mettre une grosse couche de denoise sur le fond de ciel. Alors, je ne sais pas si peut-être qu'au niveau des masques, il y aurait peut-être une petite chose à améliorer pour éviter d'en perdre sur la galaxie. Je ne sais pas. Voilà, Et au niveau des étoiles aussi, c'est peut-être au niveau de l'acquisition, elle tire au rouge sur les bords. Là. Je ne sais pas trop à quoi c'est. Sur la forme des étoiles, je me demandais s'il n'y avait pas une légère décollimation. J'ai l'impression que c'est transformé un petit peu en flamme. Si, oui, il y a un problème de collimation. Il y a un problème de collimation du Ritchie Chrétien. Peut-être le manque de détails aussi. Hein. Qui est mise en évidence par des étoiles qui sont tirées dans différentes selon les points qu'on regarde, hein, ce qui est signe d'une collimation du Ritchie Chrétien. Alors, c'est vrai, c'est pas simple. Une décollimation du miroir secondaire, et puis peut-être même que le primaire n'est pas parfaitement aligné, ce qui explique aussi la perte de détails. Moi, ce qui me choque plus, en fait, c'est effectivement la calibration des couleurs avec le fait qu'elle tire sur le vert. Fond de ciel un peu trop lisse, et puis les extensions qu'on pourrait effectivement mettre davantage en évidence. Alors, je me demande aussi s'il n'y a pas eu un petit extrait de gradient qui provoque une espèce de petit pourtour noir autour de la galaxie et on voit un petit peu moins noir autour au niveau des extensions. Donc, peut-être attention aussi au gradient. Quatrième image, M13. Très belle image, à mon sens. On a quelques petits soucis sur les aigrettes, j'ai l'impression. Sur les étoiles les plus brillantes, on voit un petit peu. Alors, c'est pas, ça gâche pas la photo. Hein. Pour moi, je trouve que les étoiles rouges sont un peu trop jaunes. Et voilà, moi personnellement,
J'aime pas spécialement l'aspect un peu jaune comme ça des étoiles. Mais bon, voilà, c'est très personnel et tout ne sont pas d'accord. Et on voit bien la petite galaxie aussi à côté d'M13, et il y a pas mal de jolis détails dessus, alors que bon, le cœur est bien résolu. C'est voilà, très belle image. Eh ben moi, j'aime bien les étoiles jaunes. Là. Donc, si C'est tu veux mettre seul. ton Eagle Fight, voilà, tu peux. C'est un peu court pour faire une battle sur Non, je pourquoi jaune et plaisante. pas jaune. Mais... Non, moi, j'aime bien justement, effectivement, quand les étoiles ont un peu de peps comme ça et que ça ressorte bien, surtout pour les amas, ce qui permet de mettre au niveau du cœur. Donc là, on voit bien un petit peu de blanc, un petit peu de bleu, un petit peu de jaune. Donc ça permet d'ajouter pour moi un petit peu de définition et de contraste au niveau d'un amas, ce qui est quand même assez compliqué pour un amas. Et puis bah, sinon après, non, c'est une très très belle image, très réussie. Ah ouais, je la trouve très belle aussi. Là, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Les couleurs des étoiles sont jolies. Le jaune, bon, c'est un parti pris. Là, voilà, bon, je trouve ça joli aussi. NGC 7822. Avec un parti pris très particulier sur la couleur. Pour le vert, Ouais. Premier truc à relever, parce que moi, quand j'ai ouvert l'image, en fait, spontanément, avant de voir le titre, j'ai pas reconnu que c'était NGC 7822, parce qu'en général, on la voit soit en RGB, vraiment plus rouge, soit en SHO, avec un mixage peut-être plus traditionnel, on va dire, avec une palette de couleurs un peu plus variée. Et on la reconnaît rapidement. Et là, j'ai eu un peu de mal à la reconnaître. Effectivement, il y a une dominante vraiment du vert et du jaune qui. Alors, est-ce que c'est le vert et le jaune la position SHO, c'est attribué au HALPA, pour le vert en tout cas. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de déséquilibre au niveau des temps de pose, ou en tout cas de signal entre les différentes couches, et que du coup, au traitement, ça a été compliqué de les mixer pour obtenir des couleurs un peu plus variées. Pour moi, là, en tout cas, il manque des couleurs. C'est une image SHO. Il doit y avoir un peu de rouge, un peu de bleu, un peu de vert, un peu de jaune. Et là, moi, je vois que le vert et le jaune dans la nébuleuse et le bleu dans la. Et pas de rouge. Alors, du coup, est-ce que c'est un problème pour mettre en avant la couche S2? C'est possible. Ou alors, c'est possible aussi que ce soit un parti pris. Hein. C'est pas interdit. Moi, je pense plutôt qu'il y a un problème d'équilibrage des couleurs. Je suis assez d'accord avec Jean-Baptiste pour les couleurs et j'ai une impression aussi globale de manque de contraste à l'image avec un fond de ciel qui est peut-être un peu trop élevé et il y a un côté aplati de la nébuleuse et je pense que ça vient aussi, enfin c'est un petit peu dommage parce que du coup le choix de la palette, bon il est personnel, peut-être qu'il serait plus pertinent s'il y avait plus de contraste dans l'image, ce choix de couleur. Ça vient du fait que y a un renforcement de la luminosité et derrière une grosse couche de denoise et du coup ça aplatit en fait l'image et on perd tout le contraste qu'il peut y avoir dans le centre et encore plus sur les bords. C'est vrai que ça fait comme un voile autour de la nébuleuse, un voile un peu, je pense, un peu bleuté et un petit peu flou autour, effectivement. Après, les couleurs, oui, c'est... Enfin, moi, il y a un petit peu trop de vert aussi à mon goût. La coloration des étoiles est bien, c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a un petit contraste au niveau de la coloration des étoiles. Le retrait de bruit, ça va aussi. Donc après, c'est vraiment oui, de la colorimétrie et du contraste à peut-être retravailler un petit peu, notamment autour de cette nébuleuse. Moi, ça me fait comme un flou, un voile flou autour et la nébuleuse au centre. Il y a quand même des points positifs. Hein. Ah oui. Il y a beaucoup de détails quand on regarde la foule, vraiment dans le centre de la nébuleuse, alors que ce soit dans les petites bandes dans les bandes de poussière, dans les zones sombres, ou même dans les petits piliers, les petits piliers qui émergent vers le centre de la nébuleuse. Et c'est dommage. C'est d'autant plus dommage que la palette ne les met pas en valeur, parce que C'est c'est ça. ton sur ton et du coup les détails ne ressortent pas, alors qu'il y a de beaux détails dans l'image. Ben messieurs, parfait. On va décider très rapidement de laquelle des cinq photos remporte vos suffrages.
bien, messieurs, merci pour cette deuxième émission qui est désormais bouclée avec un format de qui va faire 45-50 minutes maximum, ce qui me paraît effectivement pas mal. Vous avez passé un bon moment, bien. Ça allait, tout le monde a survécu. Super. Parfait. Je me sens un peu seul, il y a beaucoup de Mathieu quand même. Dans le voilà, je n'en parle pas. Justement, parlons de Mathieu, le bisu de la classe. Ça va ouais, c'est très sympa, ouais. Ouais. Bon, ouais. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve pour la troisième émission qui sera diffusée donc, au mois d'août. À très bientôt à tous. Salut, à bientôt. Salut. Salut. Salut.